Bonjour tout le monde, nous venons parler de l'événement qui s'est passé hier. C'est Mike Tyson qui a justement affronté un ancien boxeur qui c'est Jones. En plus, le monde, en fait, il fait cobli son pay-per-view à $45. Et on connaît. Et en plus, le monde est arrivé, t'as envie, ouais, Mike Tyson. Mais il faut être d'accord que c'est pas même Mike Tyson, non. C'est Mike Tyson qui a 54 ans. Donc, et on va attendre que c'est le même spectacle. Là. En fait, expert, je te dis, ou pas supposé attendre grand chose. C'est des mondes qui entrent dans l'âge, ou capable de ça, sous physique, yo, et autres. Donc, ça passe, yo fait, en fait, c'était le principal événement que tu as gagné dans la soirée. Et bien, à la fin, yo déclaré que c'est match nul. Donc, pour tout le monde qui t'a parié comme yo, pas gagné comme, parce que officiellement, c'est un match nul lié. Bien que pour un peu de monde qui t'a suivi bataille ça, il t'a fait comprendre que Mike Tyson t'a supposé justement déclarer lui-même qui vainqueur parce qu'il fait comprendre que lui frapper John Tiplis. Mais expério déclaré que c'est un match nul. Mais on dit tout, c'est pas un match professionnel. Vous comprenez? C'était un match qui était fait pour événement parce que nous bien dit Mike Tyson bataille depuis 2005, 15 ans après, nous pas qu'à attendre un miracle, nèg la gen l'âge, OK? Donc on ne pas qu'à attendre d'avoir gen KO. Donc on dit pour plusieurs experts, Mike ça a fait gens ont prévoir là pas gen ken KO. Pas gen moun qui était tellement blessé. Moun prend petit coup et puis cob la fait. Cob la fait. Mike Tyson sorti avec $10 million, donc comprenez bien belle cob. Et nous tout connaît histoire Mike Tyson, c'est dommage de le dire, son équipe fait un peu de temps bataille même connaît. Et dans la fin de carrière, il était pauvre. Il n'a pas vraiment gagné comme non même. Par rapport avec d'autres stars. Donc $10 million, vous comprenez son petit cob. Mais nous même, ça qui fait nous mal, c'est que l'autre prend l'autre partenaire qui t'a boumé avec la qui retraité en parlant de Jones. Nous ne comprenons pas comment se fait-il ces $3 million, monsieur Joigne. Vous comprenez? Quelque part, c'est une injustice. Mais c'est bon. De façon, c'est pas une injustice. Nous sommes d'accord que Mike Tyson est plus non que monsieur. Donc c'est le fait que Mike Tyson prend le boumé qui fait qu'en pile monde, justement. Et bien dépenser comme ça. C'était un pay-per-view, l'autre monde t'allait. Mais en plus, on oublie tout au cours de l'événement. Ça, il faut souligner pour vous que tu as un bon l'autre monde qui t'a bataille. On dit son ton showtime. Tu as un bon l'autre monde. Par exemple, tu as un YouTuber star, Jake Paul. Et puis, un ancien joueur NBA, Nick Robinson. So, on dit, YouTuber ça, Jake Paul, c'est un black. Et puis, Nego Benzon en blanc, en fait, il arrive KO, monsieur, bah, monsieur, un premier coup de poing, pauvre, monsieur tombé levé, monsieur retourne encore, il bat, monsieur, seul coup de poing, monsieur tombé tête, non. Et Pandou, moun yo déclaré, moun qui gagne soirée, c'est Snoop Dogg. Snoop Dogg, dans le background, non, comme commentaire, il fait un pile moun ri, si tout le monde KO, au black là, il dit, ouais, monsieur fait tourner 400 ans en retard, ok? Donc, monsieur play, go côté, monsieur dit, on prie tout pour tout Dieu. Bataille, yo vine de et Jake Paul, je ne j'ai dit, parce que te commence à balancer. A la vérité, et Snoop Dogg, pour tout le monde qui t'a suivi, monsieur fait mounoui. En fait, c'est monsieur qui est vraiment, pas bien que là, nous parlons de entertainment box, mais à la vérité, monde qui fait mounoui, tout bon vrai, l'op gade bagala, c'est Snoop Dogg qui était dans le background, non, qui vraiment prend choix, saisit choix. En fait, yo déclaré sur tout Twitter, yo va comprendre que Snoop Dogg, c'est lui-même qui gagne. Vous comprenez, il était. À la vérité, Snoop Dogg était justement un humoriste, un commentateur, et bien un comédien hors pair qui pouvait lire dans la soirée. Donc, c'est bilan qui te gagne dans la bataille ça. Et maintenant, est-ce que nous connaissons Mike Tyson déclaré que, il va pas cacher ça, avec mes amis, je déclaré. Monsieur déclaré bien sérieux, et il dit que il filmait contre Cole avant de venir boxer. Il dit, combien bien? Mike Tyson dit nous, li filme un buzz, li filme un weed en volonté. Li dit le sens avec tout le monde, li pa ka li dit li pa jam ka camper filmé. Bon ça le dit. Hmm? Li dit il filme marijuana avant que li vienne faire pas bien que c'est et à on qu'il fait. OK? Li dit absolutely. Li dit I can't stop smoking. Donc c'est ça qu'il fait comprendre. OK? Et il dit toujours et elle dit pendant bataille il filmait hein il dit mon yo I'm sorry pour nous même moi c'est un smoker et moi smoke every day I never stop smoking donc monsieur clair
Et pas bien, monsieur, même expliquer que l'élite professionnelle, il dit qu'on a fumé, il montait toute technique qu'on fait pour pas détester drogue là-dedans, vous comprenez? So d'ailleurs, il était comme un jour dit à, il devait qu'on ait un weed pas fait partie de et substance qui est interdit. Bon, ça fait l'arrivée goumen. Et lui monsieur dit it's just who I am. Monsieur dit mais c'est ça mien. Et il dit bah ça pas dans aucun effet négatif pour moi. Il dit c'est ça me fait et qui moun moi est. Et m'a toujours continuer faire jusqu'à ce que mourir. Donc ma intention clair avec nous. Pas dans aucune explication, pas de fin, pas de commencement, pas de fin, il clair avec nous que lycée yon fimado et de marijuana. Li pa nan bay menti et li di nou li gen 40 carreaux de terre dans California. Ou comprendre côté que c'est là le peuple à marijuana. Donc nous ka comprendre ça. Et d'ailleurs dernièrement m'a appelé un journaliste qui de l'Angleterre qui te relé Mike Tyson pour te faire interview avec elle. Au cours de l'interview, puis mon a dit ça monsieur gen parce que tout le monde ouais Mike Tyson. Je le ferme a parlé et en plus mon a dit oh est-ce que monsieur malade monsieur pral goumen ça qu'a passé là en plus mon ko ba réponse dit mes amis nous pas besoin ba ni tête nous problème nous connaît nèg là son film adolé donc il était aïe donc en plus mon te commence à parler pour dire ça Mike Tyson gain parce que dans interview ça tout monde te voit que monsieur pas de parler monsieur était un petit genre de gaga à la vérité et mon explique que nèg là il est terrain côté que il fait culture de marijuana donc on va comprendre so et ça lié. Mais nous avons dit pour tout le monde qui attend de nous étant sur ce sujet ça. Je veux dire avant qu'on ait chaque jour qui a passé en pile l'autre state à légaliser ça nous les fumeurs. Dans l'élection qui s'est faite là, maintenant mais qu'on combien dit, bon bonne l'autre state qui vient rejoindre liste state qui légalise bagaille fumer marijuana, faut comprendre ça. Bon regardez pour moi actuellement combien bon les cas privés et bon les cas privés la légali et y a légalisé et y a légalisé pour tout pour 2020 par contre pour 2020 déjà OK gain 11 OK pour 2020 on a élection se fait 2020 OK son façon pour nous dire que c'est un bagage. Colorado lui-même depuis 2012, c'est lui qui est en premier. Nous avons Massachusetts, nous avons Alaska 2012, Alaska, Massachusetts 2012, Alaska 2014, nous avons Columbia, nous avons Oregon, Washington, California, Maine, Nevada, Guam, Michigan, Illinois, New Jersey, c'est New York là-dedans, New Jersey, Vermont, Arizona, Montana. Et donc, c'est comme ça et causé aïe. Nous commençons par vous parler de. Donc, vous comprenez, c'est un bagage. Par exemple, vous comprenez, c'est. Tout moun ki fime nan peyi a l'état a di moun tant pou mete moun sa ou nan prison peyi pou ba ou manje okupe yo n'a légalisé depi n'a vanni et puis n'a fait comme tak sou li mais et dwa bak la c'est que w ap bon bon jeune garçon petit tout la kayou ki pa presque et ti nan ki pa gen contrôle nan sa que y ap fait nan vie yo donc c'est comme ça et k ap gen comme conséquence vous comprenez so donc voilà guys pou te voter pour justement substance de journée sa hier. Et côté que Manny Venant, c'est Mike Tyson, et en plus l'expert dit, ça a été pensé, ça a été ça. Nèg yo gen la, yon 54, yon 51. Donc, yo dere lele, yon bataille entre grand-pa, encore, vous comprenez, entre tonton, et de tonton qui a boumé, pas de doukaye là. Donc, nous pas de ka attendre, nous pas de ka attendre justement, nous pas de ka attendre grand-chose que ça. Donc, c'est comme ça, dossier a yi. Donc voilà guys, nous pote update ça pour de bataille ça et en pile réseaux sociaux y a parlé mais faut me dire dans moment là tout le monde c'est des Snoop Dogg y a parlé Snoop Dogg qui bail plusieurs blagues sur nèg yo et que monde qui dit bataille ça va même supposé légal même pas supposé faire moun payer pour comprendre son corps yo fait sur monde. Donc voilà et nous pote update ça pour nous pas oublier toujours été connecté avec nous les dernières informations n'a toujours pote là pour bye bye tout le monde.